Oui, oui, bonjour, monsieur l'ambassadeur. Mais bonjour, monsieur le président. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis venu deux fois en Centrafrique, là. Je n'ai pas pu vous voir. Qu'est-ce qui se passe? Oh, monsieur l'ambassadeur, vraiment, ne me dites pas ça. Je ne suis pas content. Comment, je veux pas, la dernière fois, j'ai été choqué. Ni la ni ta responsable ici. Ni, je vous assure. Mais comment, je ne vous vois pas à Vision 4 tous les jours? Je ne vous vois pas à Vision 4 à chaque cérémonie? Et alors, Vision 4, c'est pour qui? Non, 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 grand frère, grand frère, grand frère, écoute, écoute, écoute. Non, écoute, écoute. Chaque fois que je venais là-bas, on venait manger chez vous. On est d'accord. Vous nous recevez. Voilà, laissez-moi finir. C'est moi qui vous appelle, monsieur l'ambassadeur. Il y a quel problème? J'ai appelé le directeur général du Trésor, vu le ministre des Finances. Il a réglé le problème. Il veut même encore vous envoyer autre chose. Est-ce qu'il y a un problème? Quand il y a même souvent, bon, on est au téléphone. Dès le début là, je sais que le grand frère est là. On voit. Vous voulez que je raccroche ou quoi? Vous voulez que je raccroche? Vraiment, de mon côté, je t'assure que de mon côté, il n'y a aucun problème. Mais ce jour-là, j'arrive à une réunion, tous mes collaborateurs me disent que ben, ce matin, il y avait quelque chose que tu n'as pas vu. Mais attendez, tous les ambassadeurs, lors de l'inauguration même de Vision, lors de l'inauguration de Vision, tous les ambassadeurs de la République étaient là, sauf vous. Comment pensez-vous ça? Alors que c'est vous qui nous accueillez, j'ai voyagé avec votre épouse dans mon jet privé. Qu'est-ce qui se passe? Non, non, écoute-moi, écoute-moi. J'ai compris que vous, les hommes de l'Ouest, les hommes de l'Ouest, vous êtes des pauvres types. Qu'est-ce que je n'ai pas voulu faire pour vous? Non, 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 non. Vous m'avez parlé là, je vous ai fait envoyer l'argent sans correspondance. C'est comme ça qu'on dit merci aux amis? Chaque fois qu'il y a une cérémonie, quand il y a une cérémonie en RCA, naissons, je viens manger chez vous, parce que nous pensons que c'est la fraternité. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que Kouemo vous manipule? Moi, je veux rendre compte, non, 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 je veux rendre compte au chef de l'État, donc, de ce comportement-là. Non, 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 écoutez, je veux rendre compte au chef de l'État. Ça, c'est de la provocation? Non! Comment? Je vous donne des millions, vous me faites le chantage? Non, 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 vous savez bien, vous savez de quoi je parle. 400 millions que j'ai donné à votre ami Kouemo. 100 millions au ministre des Télécommunications et à bouffer. Vous voulez que je commence à citer avec vous? Ne me provoquez pas, hein? Monsieur, taisez-vous, monsieur l'ambassadeur. Taisez-vous quand je parle. Vous vous taisez. Vous vous prenez pour ce que vous... Taisez-vous, monsieur. Non, non, écoutez, écoutez, écoutez. Vous voulez que je raccroche? Vous voulez voir ma réaction? Je ne suis pas d'accord. Parce que moi, je dois danser. Qu'est-ce que vous voulez dire? Mais ce que j'ai dit, c'est que vous avez bouffé mes 400 millions. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous avez bouffé mes 400 millions avec Kouemo. Et chaque fois, j'intervenais ainsi de suite là. Vous avez fait quoi en retour en dehors de venir? Qu'est-ce que je n'ai pas donné à votre épouse comme argent et vous-même? Je n'ai pas voyagé avec elle dans mon jet. Vous avez déjà mis pied dans un jet depuis que vous êtes né? Je dis à mon frère, vraiment. Je suis très déçu, hein. Bonne soirée, vous n'avez rien à dire. Vous me la bouclez, monsieur. Et je ne voudrais plus que je ne veux plus voir votre ombre à Vision Finance. Je m'arrête là. Je n'ai même pas envie de saisir les autorités centrafricaines ou camerounaises. Que ça reste là. Écoutez, si vous continuez à murmurer, vous n'avez rien à dire, monsieur. Vous n'avez rien à dire. Vous me la bouclez. Et bonne soirée.